Alors bonjour à tous, c'est le premier consul Pazun. Là j'ai une vidéo assez marrante à vous montrer. Alice Cordier détruit Jean-Luc Mélenchon en 1 minute chrono. Et oui, c'est une speedrunneuse la plus rapide, 1 minute chrono, on n'a jamais fait mieux. Incroyable, Mélenchon finito 1 minute, et pourquoi? Eh bien, comme souvent, c'est à propos du voile. Vous savez, les personnes publiques changent souvent leur veste en fonction du climat et des orientations de la populace. Et là, Mélenchon a encore retourné sa veste. Au début, il disait que c'était nul, le voile, c'était contre la liberté. Et tout d'un coup, il a fait une Alice Coffin. Il a changé sa veste également. Et il a dit que le voile, c'était génial, inclusif et tout ça. Eh bien, on va voir ça. Allez. Nous avons découvert que Monsieur Mélenchon s'est converti à l'islamo-gauchisme. Nous souhaiterions donc, par cette action, rappeler à ses électeurs ce qu'ils pensaient du voile en 2017. Le voile islamique est un symbole de soumission. En 2010, il a dit ça. Il déclarait que les femmes voilées sautent. Alors, Mélenchon aurait dit « ils se stigmatisent eux-mêmes ». Ce que disait Mélenchon du port du voile à Marianne en 2010. Ah ouais, en disant il a bien changé sa veste. Auto-stigmatisé et qu'on ne peut pas se dire féministe en affichant un symbole. Aïe aïe aïe, on peut pas se dire féministe avec le voile. Voilé était une attitude un peu racoleuse, selon ses dires. Nous ne pourrions dire mieux que lui à cette époque-là, mais malheureusement, pour des raisons électorales, notre cher Jean-Luc a préféré changer de bord. Oh non, c'est petit. Il a lu Le Prince de Machiavel, il fait des carabistouilles. Au final, il est un peu comme les autres. Et on rappelle de la sauce qu'il avait eue. J'avais fait une vidéo très récemment. Ça parlait de quoi déjà? Ah oui, escroquerie, détournement de fonds publics, un truc du genre, je sais pas, je diffame pas. D'où notre slogan à son honneur, Mélenchon avait raison, voile égale soumission. Le clash, oh le troll. Qui ose faire ça en 2022, mais c'est rigolo. Enfin voilà, c'était juste ça. Chad Alice détruit Mélenchon en moins d'une minute. Qui dit mieux? Je sais pas. Si vous faites mieux, envoyez-moi votre speedrun dans les commentaires, on verra si vous faites mieux. Et c'est pas tout. J'ai vu qu'elles portaient leur testibulos, au moins les Nemesis et même Alice. Eh bien, elles vont en Ukraine. Oula, c'est quoi cette photo de culture, as well? C'était pas le sujet, j'avais vu une fois... Attendez, faut que je retrouve la vidéo. Ah voilà, elle était tout en haut en fait. Oui, je disais, les Nemesis portent leur testiculos. Ce sont des femelles alpha. Elles se disent féministes et elles vont directement en Ukraine aider les femmes et les enfants. Mais c'est incroyable, on va voir un petit passage. Heureuse aujourd'hui de... C'est pas comme certains qui demandent des cagnottes pour acheter le gros Hummer, oulala. Faire cette vidéo je diffame pas. Avec la porte-parole belge Saskia, ainsi que notre porte-parole suisse Léa. Nous partons dès aujourd'hui aux frontières pour aider les femmes ukrainiennes. Il y a eu quelques petits changements depuis la toute première vidéo. Après le fils oublié, on va se retrouver avec la juge de Kiev, Alice Nemesis. Nous partons à la frontière entre la Slovaquie et l'Ukraine. Nous ne partons pas les mains vides puisque grâce à vos collectes qui ont été nombreuses et fructueuses, nous allons pouvoir apporter... Par contre Alice, si tu regardes la vidéo, la musique elle va pas trop. ...des soins aux femmes et aux enfants ukrainiens. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les frontières et la détresse de ces femmes-là amènent malheureusement un certain nombre de truands et de... Les truands de la galère. Proxénètes qui vont aux frontières pour détourner soit des femmes, soit des enfants. Et ça, c'est pas bien. Malheureusement à des personnes qui tentent d'arnaquer ces réfugiés. Nous avons donc décidé d'aller directement aux frontières pour les prendre en charge de leur arrivée jusqu'à ce qu'elles aient accès à un logement pérenne. Et si demain c'est la guerre en France et que nous devons confier nos filles à des étrangers, nous aimerions qu'elles soient entre de bonnes mains. Aujourd'hui c'est notre rôle que de prendre en main donc ces femmes ukrainiennes et leurs enfants. Et voilà, et après elle demande des dons je crois, une cagnotte. Voilà c'est tout. Petite vidéo drôle pour la fin, j'avais vu un petit extrait assez amusant, vous allez voir. Ça va vous rappeler des souvenirs pour les habitués de la chaîne. Voilà, il y avait Nantes Révoltée qui a critiqué Nemesis dans ce post. En gros, il y avait une fille apparemment qui faisait partie du GUD et elle se retrouvait dans Collectif Nemesis. Et on se rappelle de Nantes Révoltée, ils avaient été mis dans la sauce par les woke. Vous vous en souvenez cette vidéo? Les antifa nantais cancellent par les woke Twitter pour une broderie jugée arabophobe. Vous vous souvenez, ils avaient fait celle-là. Arabe, all raciste à Arbarstad. Et du coup, les woke, ils se sont dit, mais c'est raciste. Ça dit, arabes sont des bâtards, ils ont pas compris. Et du coup, les woke, ils ont essayé de se justifier, ils ont pleuré. Oh non, mais c'est pas vrai, arrêtez, méchant woke. Woke contre antifa. Et nous, on ne pardonne pas le racisme. L'arabophobie, nous, on ne tolère pas. On vous cancelle. Sérénité sur leur être, en dépit de leur malaise ambulant. C'était le premier consul Pazun. Allez, à plus. À Mogus.